Vendredi 14 avril, pendant que mon papa se transformait en cristaux fins et légers pour voltiger dans le ciel et la mer, Sébastien venait au monde avec son petit visage de grenouille si doux et soyeux. J'avais rencontré un mois plus tôt chez moi ses parents, Rania et Nasser, tous deux réfugiés syriens arrivés en décembre 2016 au Havre avec la maman de Rania et leurs deux fils. Avec des amis, nous sommes parrains et marraines de la famille, heureux de partager des émotions et des paroles, de leur faire découvrir notre ville. Ils sont logés dans le quartier des Neiges, près des cheminées de la centrale à charbon EDF, éloignée de la ville. Un quartier mythique du Havre, des anciens dockers et ouvriers, avec ses barres d'immeubles tristes et ses petites maisons de briques et de broc et leurs jardins. Un village est le paradis pour ses anciens habitants, une zone sinistre pour les gens du centre-ville. Tous les chemins mènent au port du Havre. Pour cette famille, le chemin fut long et douloureux. Je souhaite à Sébastien d'être un enfant, puis un adulte digne, heureux, et de revoir peut-être un jour le pays de ses parents. Nous sommes trois familles amies, et nous avons choisi de parrainer Rabat, Rania, Nasser, et leurs deux et maintenant trois enfants à leur arrivée au Havre. Accueillir avec chaleur et simplicité de nouveaux amis est un plaisir partagé, et pour moi comme une évidence. Ils sont partis d'un pays en plein chaos. Les recevoir en France fait partie de valeurs universelles. After the war in Syria beginning, and the days became worse and worse, we decided with my family to leave Syria to a safety place. So we moved to Lebanon, me and my mother and husband, and my little two sons, Jad 7 years, Adam 3 months. But it was very difficult and complicated for us to live in Lebanon. So we applied for a French embassy at Lebanon, and after 1.5 years, we get the approval for visa to France. At December 2016, we arrived Paris. After 1 month, we moved to Le Havre. And now, me and all my family, with my new member at my family, Sébastien, we are very happy and thankfully for every person who supported us in our trip. Réalisation, Rania, Hélène, Claudie.